Salut les gens, c'est Slan, on se retrouve sur Open Universalis 4 avec la Horde. Actuellement, nous venons de finir une guerre contre les Timurides pour faire grossir la Transoxiane. Nous venons de lancer l'annexion de Tver et il nous faut nous diriger soit à l'est, soit à l'ouest. À l'est, on a les Mongols et Shun, à qui on doit prendre des terres. Shun, on n'a pas de trêve avec lui, mais on a une trêve avec les Mongols qui se termine dans 4 ans. Du coup, je pense que autant aller dans la région plus tard. Et donc, à l'ouest, on a des terres à prendre à la Lituanie. C'est probablement ce que l'on va faire maintenant. Une grosse guerre, puisqu'ils sont supérieurs à nous. En tout point. En tout point, ils ont plus de troupes, 68, 74, là où moi j'ai 73. Oui. Ça reste à voir au niveau technologique, ils sont techno 10, techno 10, et nous aussi. A l'inverse, quand on ira attaquer Shun, il est techno 8, les Mongols techno 9. Alors, bon, on va regrouper nos troupes et se déplacer vers l'ouest. Ok, eux, ils vont aller là. Nous, on va aller là. On va essayer de filer un petit coup de main à l'Irak qui nous aime pas pour le moment. Oh, 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 oh. Ça c'est bon. Qui est-ce qui nous considère plus comme un rival? Je ne sais plus du coup. Du coup, je ne sais plus qui ne nous considère plus comme un rival. Défenseur de la foi, ça m'intéresse pas plus que ça. Non, pour le moment, ça ne m'intéresse pas. On a déjà commencé à convertir les terres en Sibérie. Voilà, en Sibérie, on a normalement voilà un foyer qui est ici et qui convertit là-bas pour le moment. Alors, on va avancer un petit peu. Au niveau de l'argent, ça va, on n'en perd pas. Un conseiller ici. Agitation dans le pays, moins 2. Je le prendrais bien. Les sous, non, on n'en a pas assez pour développer. Et 9, ça fait combien ça? Ça fait pas mon 5, 10, 10. Ils sont pas faits pour aller ensemble. Ah, j'ai 1, 2. Ah, ça fait 5, 9. Ok, super. Donc là, j'ai mon 5, 9, 10. Il manque 1000 hommes. Là, j'ai un 2, 3 qui pourrait aller avec un 4, 5. Ça nous ferait un 6, 8. Il manque de la cavalerie là-dessus. On va aller voir ça. Hop là. Les légitimations. C'est tout en cours. Qui est-ce qui va maintenant apparaître? Yasuge. Alors attendez. Le reste, on s'en fiche. Cinq, neuf, il me manque une cavalerie là. Hop là. 60 sur 63, très bien. On maintient toujours très haut. On a des bons généraux. Des généraux qui piquent.
Nous y voilà. Ici, pour l'instant, c'est un 6-8. Ça va rester comme ça. On va attendre de voir la suite. Mort d'un marchand. Du prestige. Ou de l'argent. Ou le mec. Et il m'intéresserait bien celui-là en fait. Cinq 48, 6 13. Voilà, 3 points. Ici, on en est où? Ah, 22. 7-15. 7-15, c'est pas mal. Mais 7-15 plus 6-8, ça fait 13-23. 13-23, déjà, il y a un 6, il y a un 6-12 quelque part, normalement. Donc là, j'aurais un 3, j'aurais un 7. Ah, bah, c'est la cavalerie qui est en trop. Donc là, j'ai un 1-2 qui vient rejoindre, qui fait un 7-12, 6-12. Donc là, j'envoie 3 de cavalerie. Ah bah non, c'est bien un bonhomme que j'ai en trop. 6-8, ça fera 6-11. Ok, donc j'ai un bonhomme en trop et une cavalerie en moins. Donc la cavalerie en moins, on va la faire ici. Deux cavaleries au moins en fait. Une cavalerie là, une cavalerie là. Toi, tu vas aller là-bas. Ok. Hop là, on va remonter là. Ici, on va rejoindre là. On a un bonhomme en trop. Vire le moi. Et on va se diriger tranquillement vers le bas de la Lituanie. N'y en a pas d'autres? Il n'y en a pas d'autres. On va essayer de tenir de fer. Kam, Ming et Saerig sont des tributaires. Alors, est-ce qu'on a d'autres tributaires? Pourquoi te faire, je gagne pas de points. Cause des rebelles. Bassora, Gênes, Trébizonde. Trébizonde, ça me va. Bassora, ça me gêne un peu. Un peu dans ma zone. Un peu dans ma zone. Trébizonde, par contre, on est mince. Désolé. Trébizonde. Ah, quoique non, cette zone-là, pour l'instant, je veux pas la récupérer. Parce que Bassora, je vais envoyer en Perse, et de la Perse, je vais envoyer là, et de là, je vais envoyer là-haut. On évite tout ce qui est à l'ouest, en fait. Constantinople, Alep, Crimée, on les évite. Pour le moment. Ok, donc. Toi, tu vas aller te mettre plutôt vers ici. Ensuite, là. Toi, tu vas là. Ah mince! C'est un siège qu'il faut faire. Ah bah, il va s'en occuper tout seul.
C'est pas la capitale au moins? Non, c'est pas la capitale. Allez hop. Six onze. On va se donner rendez-vous là-bas. Et l'or restant. Yazuge, je peux les calmer. Je peux pas. Je pourrais envoyer une troupe de maintien de l'ordre, ce qui est censé d'ailleurs être cette troupe. Exaction Cosaque. Eh ben, on va exaquer. Bah mince. Ça va mal se finir avec, avec lui. Montvert, faudra vraiment qu'on m'explique. Ça y est, il est devenu déloyal après que je l'ai aidé? Bah oui. C'est logique. Allez. Pour cette occasion unique, je vais avoir besoin de toutes mes forces. Brandebourg, non. Ottoman, de toute façon, tu viendras pas parce que t'as quoi? Trop de dettes? Voilà, comme d'habitude. Moins 100 parce que 1000 de dettes. Franchement, 1000 de dettes, c'est quoi pour l'Ottoman? C'est rien. C'est lamentable. Oh, Mamelouk! Tu fais une koa! T'es un super vilain! Voilà, n'oublions pas que l'ennemi final, ça reste la Pologne. Prendre des terres juste à la Lituanie, ça ne servira pas. Mais j'aime pouvoir circuler et j'aimerais pouvoir les empêcher de se replier. Ah, ils n'avaient pas de morale, j'aurais su, j'aurais été tapé là-haut. Alors, ensuite. On va là-haut. Ok, ah ou c'était pas maintenu ça. Non, moi je suis pas là pour ça. Moi je suis là pour faire les sièges. C'est elle qui va aller frapper les petites tribus, les petites troupes. Du coup, ouais, du coup on va occuper le sud en premier. On a une troupe à 26 là-haut. Est-ce qu'elle va vraiment avoir le temps de me tomber dessus?
Ouais, c'est très bien, lui, il fait le siège là. Je pense qu'elle aura pas le temps. 3-5. Chagatai, dis donc, faut arrêter avec vos coalitions là. Alors. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là et là. T'arriveras trop tard. T'arriveras bien trop tard. Allez, go. Est-ce qu'on va remonter le moral entre les deux? Non. Voilà. On arrive le 2. On aura eu le temps de faire un petit remplissage. Et là, on est déjà à 35%. Ça va être une bataille un peu rude. Jouer des tribunaux. Alors, on va augmenter vers quoi, nous? Le légalisme. On est à combien là? 4,02. C'est trop bas. Il faut remonter maintenant. Voilà. À 18. Alors évidemment, on ne peut pas lui courir après. Il a amené ses bateaux. Mais il n'empêche qu'on va revenir ici pour lui mettre la misère pendant que nous, derrière, on va chercher les provinces. Celle-là, c'est pas la peine parce que lui, il n'est pas du tout sûr de finir le siège. Bengale m'a rivalisé. Oh, on a déjà fini le siège. Bon, on va continuer. Elle est où ta capitale? Là-bas. Alors, notre objectif ici, c'est de prendre. Top, pop, 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 pop. Ok. Donc ça et ça. Donc c'est à Pologne qu'il faut que je demande la paix. Voilà. 61%, tu veux pas? Coalition de quoi? Moscovie, c'est. Hein? Mais t'es sérieux? D'accord, coalition de Moscovie. Akkoyunlu, Danemark, Suède, Ducadir, Pologne. La Hongrie. Ah non, pas la Hongrie alors. Moi, je veux pas la Hongrie ni Gênes. Parce que Gênes, je compte t'attaquer. Ça fait la Hongrie. Là-haut. Ça met la Hongrie et Gênes. Pologne, c'est normal.
Rigagène. Gène 51. Gène 53. Ok. Ça m'a l'air correct, ça, 75. Avec évidemment. De toute façon, on ne pourra pas avoir plus parce qu'on ne va pas attaquer le Brandebourg. Donc ça me paraît très correct. On est d'accord que c'est bien les provinces dont j'ai besoin. Voilà. Il n'y en avait pas une à prendre ici? Que je l'aurais déjà prise. Il y en a une à prendre pour une mission. Économiser, avoir 2000. Prendre Samarcande. Ça, c'est autre chose. Joug Tartare. Ah, bah voilà. Il y a Taureau Pécasse. Donc, on recommence. Gênes rentre dedans si je prends ça. Ok. Ah, oh, gêne. Taureau Pécasse. Allez. C'est parti. Là. À nouveau une belle petite bataille qui nous attend. Voilà. OK. Transoxiane, t'as des troupes qui viennent ou pas? Trébizonde, j'ai oublié de te dire, Trébizonde, que. Pour l'instant, on va laisser. Non, pas mon diplomate et pas la guerre civile. Je suis Timouride, c'est trop dur pour eux. Mon diplomate, hein, Flustre. Il a amélioré mes relations avec tout le monde. Pourquoi je m'en sors pas avec Tver? C'est quoi la blague qui veut jamais se faire annexer? J'ai pas la réputation qu'il faut. Ah, c'est ça. Ok. Donc là, on va tourner. Là aussi, on va tous se réunir ici. Qu'apparemment, il fait une troupe. Nous, on va lui courir après ici, pareil. Je voudrais pas qu'il aille embêter mon Dwer. C'est le seul qui bosse. Okay, on va déjà commencer par ça. Donc toi, tu vas courir après les autres. Est-ce que 27, 16, 18, 24, très bien. J'en chope qu'un seul. Un tout petit en plus.
comme là. Très bien. On va aller maintenant choper celui-là. Puis bah, on va rester traîner un petit peu dans la région. Là, 71%. À quel moment on le fait tomber? Genre maintenant, ça serait pas mal. Là, on l'a chopé. Il ne reviendra pas. On va pouvoir courir. Et revenir ici pour se morceler à nouveau. Ça, c'est pas le même pays, ça. Marrant. Voilà. Au niveau de la manpower, ça commence à être léger. Mais bon, on va avoir un plus 33% prochainement qui va nous faire le plus grand bien. Ici, on a récupéré notre amélioration des relations. Donc on en est très content. Et on gagne 10. On en est où là? 90%, c'est peut-être un peu tôt pour le prendre, mais en même temps, on n'a pas de doctrine administrative pour le moment. Pas mon problème pour le moment. T'es toujours pas prêt à céder, toi? Ah, parce que j'ai demandé quelque chose où j'occupe pas la. Non. À force de paix actuelle, exigeant son supérieur au score de guerre. Oui, bah oui. Heureusement, je vais pas demander moins. On manquerait plus que ça. Là, on a un autre château qui va aller se faire rattraper par Tver. Nous, on reste bien groupés là-bas parce qu'on est susceptible de se faire attaquer. Le Danemark n'est plus un rival valable. C'est bien, ça nous augmente un petit peu. On va devoir rivaliser le Bengale. On va se mettre ici en soutien de notre château. Qui est-ce qui a le dirigeant? Personne n'a le commandant ici. Ah, tu vas aller avec. La puissance du prestige. Bohème se prépare à attaquer Pologne. Ah, que oui, bien sûr que oui. C'est toujours moi qui mâche le boulot de tout le monde. Et tu verrais que dans 2 secondes, la Bohème va dire: Ah ouais, mais moi je suis dans la coalition contre les méchantes hordes qui me mettent dans mes guerres. Affaiblissement des hérétiques. Pologne obtient la légitimité. Pologne, l'événement défection de catholiques va survenir dans un jour. Alors qu'ils étaient nombreux au sein du peuple à redouter les armées catholiques, quelques-uns semblaient au contraire les accueillir à bras ouverts. Ainsi, après que l'ennemi se soit emparé de la province Göldingen, ses habitants semblent se demander s'ils ne seraient pas mieux dirigés par quelqu'un partageant leur foi. Afin de leur
de donner meilleur jour à cette trahison, les dirigeants de la province nous ont fait parvenir un message demandant que soit pratiquée une approche moins rigoureuse des questions religieuses en Göldingen. Dans le cas contraire, l'ennemi aurait déjà partie gagnée dans la province. Ouais, allez-y. On vous en prie. Soyez autonome. Pour quelque temps. Bon, tu signes ou tu signes pas là? C'est pas ta capitale que j'ai? Prendre Lubnaï. Prendre Lubnaï? Ah bah oui. D'accord. Ben, ça m'a l'air bon. Donc toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Non, ça sert à rien de prendre à côté du château. Là, c'est pareil, c'est à côté d'un château. On va se mettre là. Là où ils sont en train de passer. De façon assez puissante quand même, il va falloir faire gaffe. On va se réunir aussi, parce qu'il va être temps de frapper encore un petit peu. On va sûrement aller vers Vilnius. Ok, on a pris bloc. Là, il n'y a pas un moment où tu lâches. Ah, attendez. Non, c'est la Lituanie. Ok. Ok. Sandomir, non. Rawa. On va plutôt aller vers là. On va aller là. Voilà. Ratisbonne, vas-y. Faites-vous plaisir. Moi, j'ai pris tout l'effort. Ou presque. Il en reste deux là-haut. Commence à manquer ou pas? Non, pas encore. Ça reste raisonnable. Le siège est toujours à 25. Hop là. Allez, on est en train de prendre les trois derniers forts là qui nous intéressent. La Transoxiane vient pour faire le ménage derrière.
Il n'a évidemment pas intérêt à m'embêter. J'espère qu'il va passer par là. Voilà. Allez, on va lui courir après. Ok. Là, franchement, tu fais la paix. C'est pas possible sinon. On va aller se mettre là-bas. Bah, je me convertis à la foi réformée maintenant. C'est nouveau ça. Ok. On va descendre par là. 66, 87, 102. On va récupérer ensuite cette partie-là de notre troupe pour remonter. Polokas est tombé. Bah, on n'aura pas besoin de remonter dans ce cas-là. Bon, bah c'est réglé. Mince, c'est plus réglé. Crise commerciale. Détends-toi, qu'est-ce que tu veux? Des points diplomatiques ou efficacité? Je me fiche de l'efficacité commerciale. Tu vas descendre, rejoindre tes troupes ici. Ouais, on est toujours à deux doigts de gagner. On va le laisser aller. Voilà. On va se réunir. Ici, pour aller semer la terreur dans le sud, où ils étaient en train de se refaire. Et ici, on va aller semer la terreur là-bas. Bon, allez, c'est bon, là, tu lâches l'affaire. Mais c'est qui l'en veut, hein? Allez, on a pris Vilnius, là, maintenant. Tu peux pas me dire que c'est pas bon. Alors, combien tu me donnes? Hein? Eh ben, on va attendre. À cavalerie et canon, ça fait des dégâts. Hein. Ah bah si tu voulais pas jouer au plus bête, fallait pas être le plus bête. Brandebourg, paix à part du coup. Ouais. Non, c'est une paix blanche, bien sûr. Et dans 24 jours, on fait la paix. Et la pauvre Pologne cessera d'exister. La Bohème va prendre son tribut juste derrière, forcément. Une institution. Je prends. Mince, je dépasse les points là. Ah bah écoute, dans ce cas-là. Mais j'ai trop d'avance. C'est pas possible. Bon, ben, je la prends maintenant. Contraint et forcé. Ma vie est dure. Si j'avais pu légitimer juste avant, ça l'aurait fait, mais je ne pouvais pas. On va s'occuper des marchands. Tu vas devoir aussi réparer la guerre maintenant. Et je pourrais prendre Vinica. D'accord, attends 2 secondes. On en est où là? Ben voilà. Toujours personne pour me dire quoi que ce soit là.
Et ben on va faire ça. Mission. Jouktarta, 100 points de puissance administrative, 100 points de puissance militaire, 25 de prestige, 25 unités de l'ordre. Oui, bon bah. On les prend. On les prend, on les prend. Donc, ici, nous avons une guilde. Quoi? Ah bah quand même. Voilà, MML. Voilà. Tout ça, ça a été fait. Normalement, on garde tout pour nous. On en est où ici? Memel, Polosk. Vérifions quand même qu'on a bien tout torpillé. A priori, oui. Là, on n'est pas loin de pouvoir prendre une petite doctrine militaire. Modifie des réserves nationales 33, je la prendrais bien. Ou je prends ça pour passer à la 11. Histoire d'aller faire encore plus mal en Asie. Mais les réserves militaires, je pense que c'est plus important pour moi là tout de suite. Est-ce que ça donne quelque chose là? Oui, coût du développement, moins 10. Pas très utile, ceci dit. Derrière, ça c'est très bon. Ça c'est pas mal. Et ça c'est bien évidemment complètement inutile pour moi. Ouais, c'est surtout celle-là en fait qui m'intéresse. Je vais prendre ça, quoi qu'il arrive. J'en ai besoin pour augmenter ma régène proportionnellement, bien entendu. On a perdu combien? On a perdu même pas un an. Donc le temps d'arriver à Shun, on aura récupéré notre problème. Bon, et puis on a des marchands. On fera tout ça dans le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. Et à tout de suite pour la suite.